Et voici, amené par Sébastien Mourier, un cheval auquel le Centre-Est tient beaucoup pour lui et à travers son père, il s'appelle Caproc. C'est le seul fils de Vidéo-Rock. Alors là, j'ai parlé du mot magique, on parlait de Candle tout à l'heure. Le mot magique pour le Centre-Est, c'est Vidéo-Rock. Vous le connaissez mieux que moi, donc je ne vous ferai pas l'injure de vous le présenter, ce Vidéo-Rock, qui a tant amené, qui a tant apporté à toute la région, à tous les éleveurs de la région Centre-Est. Et voici le seul et unique fils de Vidéo-Rock, étalon en France et même dans le monde. Il s'appelle Caproc, il est présenté par Sébastien Mourier, de Had l'athlète, et cet élément extrêmement élégant, comme son nom l'indique, c'est le frère de Capgarde, qui lui est un fils de garde royale. La mère est par Canoudal. Donc c'est le frère de Capgarde, champion d'Auteuil, champion étalon, père du défunt Cap Dream, entre autres. Une grande souche d'Auteuil. La mère Caprica a gagné à Auteuil. C'est la famille de Siborson, la famille de Cortervin, la grand-mère Lady Cortera fut une excellente jument d'Auteuil également. Alors lui, Caproc, lui-même, qu'a-t-il fait? Eh bien, malgré des problèmes de santé récurrents qui l'ont empêché d'avoir une carrière plus importante, il a gagné à Auteuil, et oui, effectivement, à 3 ans, le prix Lusignan. Et il battait pas n'importe qui, parce qu'à cette occasion, il battait un cheval qui s'appelle Rescato d'Oust, fils de Maresca Sorrento, futur vainqueur du prix du président de la République. Donc ce cheval Caproc, non seulement a le pédigré pour, mais il a montré son talent propre sur les haies d'Auteuil. C'est encore un jeune étalon qui n'a pas une production en âge de courir, et il attaque sa 4e saison de montre, je crois, 3e saison de montre, au Haras de l'Athlète, dans la Saône-et-Loire, chez Sébastien Mourier.